Bonjour, bienvenue sur Scooter et Mécaboîte. Alors aujourd'hui encore une vidéo, encore sur le DT, j'ai encore des merdes avec. J'avais remplacé le Neyman hein, dessus parce que j'avais des micro-coupures d'allumage avant. Donc j'ai changé le Neyman, ça a bien marché pendant quelques jours, j'ai fait à peu près 200 km au total. Et là, rebelote, ça recommence. Donc j'ai encore des coupures d'allumage avec. Je me demande quand même si c'est pas un problème dans le faisceau électrique. Car là, le Neyman est complètement neuf. Ça me paraîtrait un peu bizarre que ce soit le Neyman. Surtout que c'est quand même un Neyman de qualité. C'est un Technium. Et celui que j'avais avant, c'était un P2R. Et le P2R, il a fait 3 ans et demi. Donc je pense pas que ce soit le Neyman. Donc j'ai pris la décision de retirer intégralement le faisceau électrique du DT pour ouvrir le faisceau et regarder si j'ai pas le fil d'arrêt moteur qui serait coupé. Ce qui pourrait peut-être expliquer mon problème de micro-coupure d'allumage. Donc, je réexplique ce qu'elle me fait. Alors, la moto démarre. Quand je mets le contact, elle démarre. Je roule avec. Dès qu'elle est chaude et qu'elle est au-dessus de 7000 tours, elle se coupe à fine micro-coupure, en fait, comme si on coupait le contact et qu'on le remettait. Donc on roule, on fait. Puis un truc, elle fait. Puis ensuite, elle repart, puis elle rebolote. Donc ça m'a énervé un petit peu tout à l'heure, je l'ai rentré par colère. Là, on va démonter. Je vais démonter tout le faisceau, je vais emmener le faisceau chez moi, je vais le contrôler demain, car là il est déjà plus d'1 heure du matin. Là j'en profite tant que j'ai pas les voisins qui viennent me casser les pieds. Je vais filmer le démontage du faisceau en accéléré, hein. Donc ça y est, hein, le faisceau électrique était monté. Donc il est là. Hein. Je me suis aperçu que la cosse était cassée sur la file d'arrêt moteur. Et je me suis aperçu que les fils étaient. Le faisceau par lui-même n'est pas en très bon état de ce côté-là. Je vais ramener ça à la maison. Je vais l'ouvrir en deux. Donc on se reprend d'ici. Là, je pense que ça va me prendre tout l'après-midi pour vérifier le faisceau. Tout l'après-midi minimum. Ça pourra peut-être me prendre 2 jours. Je verrai. Je verrai bien. À dans quelques jours. Hein. Salut, salut. Donc, me revoilà 2 jours après. Pour le problème de coupure d'allumage sur la DT. Moi, j'ai déjà remonté le faisceau électrique hors caméra. Car c'est une étape assez longue à faire. J'ai contrôlé tous les fils. Il y avait juste le fil, comme je vous avais dit, de l'arrêt moteur, la cosse qui était cassée. Donc ça, je l'ai refait. Avec de la gaine isolante et tout. Je vais démonter le carburateur. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. La première fois que j'ai eu les coupures sur la moto, je pensais que c'était dû au réglage carbu. Ce qui me paraissait un peu bizarre vu qu'elle tournait très bien avant. Et actuellement, j'ai été obligé de baisser pour pouvoir rouler à peu près, de baisser l'aiguille au deuxième cran
Enfin, l'aiguille est au deuxième cran en partant du haut, alors qu'avant elle était au troisième cran en partant du haut. J'ai le gicleur de ralenti qui est en 32 car j'ai perdu le gicleur de ralenti de 30. Donc il a fallu que j'en fasse recommander un. Donc là, on va s'attaquer au démontage du carburateur en accéléré. Donc je vais vous montrer une méthode toute simple hein, pour éviter de, quand vous démontez un carburateur sur une machine, une méthode pour éviter d'avoir à réamorcer. Surtout sur les véhicules qui ont un robinet d'essence à dépression. Bon, je pense que c'est une méthode que beaucoup de gens connaissent, mais bon, c'est toujours bien de la montrer quand même. Je démonte la cuve. Je la maintiens fermement. Vous maintenez votre cuve droite et vous soulevez le carburateur. Comme ça, l'essence, bah, vous videz pas le carburant en fait. Vous la posez bien droit. Et voilà. Et tout simple. Alors pourquoi je vous explique cette méthode-là? Bah, tout simplement parce que sur certains véhicules, l'amorçage du carbu, donc l'amorçage d'essence sur les, quand vous avez un robinet à dépression, peut être difficile. Selon les véhicules, selon le robinet à dépression que vous avez. Moi, j'ai également un Kinko AGT-FR 50 de temps. Quand le carbu est vide et qu'il faut réamorcer la pompe, enfin réamorcer l'arrivée d'essence, c'est on est obligé de boucher le filtre à air tout en mettant les coups de démarreur. Donc voilà. Donc je change mon gicleur. Je vais dégraisser la pipe d'admission parce que j'ai le collier qui glisse dessus dû au fait que l'autre fois j'ai eu un problème avec la pompe à huile. Donc vu que j'avais été obligé de vider le moteur, j'ai eu de l'huile partout dans le compartiment moteur et tout ça. Donc le carburateur est remonté, filtre à air remonté, réglage refait. Là on va remonter tous les carénages, le réservoir. Donc voilà, j'ai un problème. Comme je vous disais sur les DT, ils n'ont pas été capables de faire autre que de foutre les fils derrière le phare. Ce qui fait qu'en fait là, ce qui se passe, c'est que j'ai pas comprimé mes fils assez vers l'arrière. Donc je ne peux pas remonter la bulle. Donc il faut que je redéfasse la bulle, qu'il faut que je recoupe les réglans que je me suis fait chier à mettre. Pour pouvoir tout simplement replacer les fils au maximum vers l'arrière de l'araignée. Car là, en fait, le truc qui se passe, on va très mal voir, mais en fait, j'ai le porte-ampoule qui tape dans le faisceau parce que le problème sur ces putains de bécanes de merde, c'est qu'ils ont collé tous les fils derrière le phare. C'est ça le problème qui se passe. C'est la majeure le gros problème des Yamaha DT, ça, à partir de 2003. Donc là, bah, j'ai le branchement du compteur, hein, tout simplement. J'ai le branchement du capteur de vitesse. J'ai le branchement du bouton de changement de mode. J'ai le branchement du Neyman. Et le Neyman est dans la potence, en fait.
J'ai le branchement du commodo, j'ai le câble d'embrayage, le câble du starter, d'accélérateur, le câble du starter. Vu que le compteur qu'on m'a fourni que j'ai eu par 50 Factory ne fonctionne pas, vu qu'il affiche 160 au lieu de 80, enfin au lieu d'afficher la bonne vitesse, j'ai été obligé de mettre un compteur universel, donc j'ai le branchement du compteur universel, j'ai le branchement du klaxon, j'ai le branchement du phare et j'ai les deux branchements de clignotant. Sans compter le branchement tout simplement du feu stop du frein avant. Donc c'est le truc qui me gonfle sur cette bécane. Donc je vais être obligé de redéfaire le faisceau au niveau de l'avant pour essayer de le replacer correctement. Donc voilà, je viens de tout replacer, hein. J'ai remis la bulle correctement. J'ai replacé les câbles. Donc j'ai plus que le garde-boue avant à remettre. Le réservoir avec les deux écopes. Ça, je vais pas le filmer car la vidéo va être trop longue. Je vais la remonter, finir de la remonter hors caméra. Je vais aller l'essayer et je vous ferai le rendu après pour savoir si ça marche ou pas. Donc ça y est, la DT est remontée, hein, comme vous pouvez voir. Bah ça fait toujours pareil, hein, j'ai toujours les coupures d'allumage. Là, cette fois, c'est même carrément éteinte. Donc j'ai contacté le site, hein, j'ai envoyé un email, donc c'est Nono Less Gaz, pour leur dire que le Neyman était défectueux, que j'ai des micro-coupures d'allumage sur la moto. Donc dans le coup, il va falloir que je redémonte le Neyman, hein, de dessus pour pouvoir le remettre dans l'emballage. Donc un point important quand vous commandez des pièces comme ça qui sont neuves, moi j'ai gardé l'emballage, hein, j'ai gardé le carton de l'autocollant d'expédition et la boîte vraiment du Neyman. Donc vous les gardez au moins à peu près un mois ces trucs-là. Je crois que les garanties, je sais pas combien de temps qu'elles sont, mais c'est très rare que ça aille au-dessus d'un mois. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas redémonter tout de suite, hein, parce que franchement, je suis sur les rotules actuellement. Je suis franchement crevé. Par contre, ce que je vais faire, c'est que dans l'emballage que je vous ai montré, j'ai le Neyman que j'avais monté dessus, où j'avais déjà les coupures d'allumage. Chez moi, j'ai le Neyman qui est complètement mort, quoi, où la moto ne démarre pas du tout. Je vais essayer de voir avec les deux d'en faire un. Peut-être que sur celui-là, il y a peut-être de la saleté dedans, parce que c'est un Neyman d'occasion. Puis on verra bien. Hein. Puis si je vois que ça marche pas, de toute façon, je suis obligé de laisser un Neyman quand même sur la moto. Parce que si je débranche le Neyman, je n'ai plus d'éclairage, je n'ai plus de klaxon, de feu stop, de clignotant, j'ai plus rien, à part l'allumage. Donc au pire, je remonterai un vieux Neyman en attendant. Je débrancherai l'arrêt moteur au niveau du bas. Je foutrai un coupe-circuit en attendant d'avoir un Neyman. Parce que moi, il me faut une machine pour rouler. Hein. La 89, là, on est dans des périodes un peu trop froides. Puis là, on est dans des périodes où ça flotte quand même pas mal. La 89, il est hors de question qu'elle roule quand il pleut. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter et Mecha Boîte. Vous pouvez vous abonner, liker et partager la vidéo.